Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur les fils aluminium. Car en fait, je dois animer un atelier de bijoux en fil d'aluminium le 5 mars. Et du coup, je suis en train de préparer ce qu'il me faut et tout. Et comme ça fait un petit moment que je ne suis pas trop touchée, les bijoux, et que... Je voulais voir combien il me fallait à peu près, parce que je fais tout au pif, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà, je voulais faire quelques petits bijoux pour voir ce que ça donnait et faire des petits modèles. Donc, j'en profite pour vous faire un petit tuto. Avant tout, je voulais vous dire un grand merci pour tous vos gentils commentaires l'autre jour. Ça m'a fait très plaisir. C'est vrai que j'ai pris sur moi hein, pour vous montrer ma tête, mais il faut ce qu'il faut, hein. Après tout, voilà. Et je voulais vous dire, je suis désolée, mais c'est vrai que ma vie change beaucoup en ce moment, un peu sur tous les points. Et du coup, j'ai 50 000 choses à faire en même temps. Et donc, je n'ai toujours pas fini mon atelier, donc... En plus, c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis toute seule pour le faire. Enfin, c'est pas évident. Donc, je suis désolée. Mais il n'est pas encore tout à fait fini. Il a bien avancé, mais c'est pas ça encore. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je ne sais pas trop en fait ce que je vais faire. Puisque j'ai aucune idée. Hein. Comme d'habitude, je vous le fais un peu. Presque en direct, quoi. Voilà. Donc, je sais pas. Bon, on va commencer par une petite bague, d'ailleurs. Hein. Ouais. On va faire une bague. J'avais envie de faire avec du verre. Voilà. Et c'est du fil aluminium de 2 mm. Je vais faire aussi avec du violet. J'aime bien mélanger ces deux couleurs. Ça, c'est du fil aluminium 2 mm strié. Voilà. Ou moi je l'appelle des fois diamant parce qu'en fait ça a un effet diamant. Voilà. Donc bon, on y va, on va commencer à prendre du fil alu. Donc là, ça je vais le couper. Bon, je vais prendre celle-là. Hop. Je vais prendre une petite longueur. Alors, j'ai pas pris le mètre. Ah si. Non, c'est pas un super mètre, mais bon, tant pis. On va faire comme si. Donc, je vais prendre au pif et après je vous dis combien je prends. Après. Voilà. Alors, ça devrait aller. Hop. Donc, je prends de longueur en vert puisque je veux mettre le violet au milieu. Hop. Donc, je vais vous dire, ça fait. C'est pas pratique ce mètre. 36 cm de long. Voilà. Alors après, la longueur, ça dépend si vous voulez faire une petite bague, une grosse bague. Ça dépend réellement. Voilà. Si vous faites une petite bague, vous en prenez un peu moins, quoi. Donc, je vais prendre pareil un fil violet. Toujours pareil, fidèle à moi-même, un peu au pif. Hop. Voilà. Donc, je vais chauffer les fils pour qu'ils soient plus maniables et qu'ils se tordent plus. Alors, on prend un torchon. J'ai oublié, mais bon. Voilà, on prend un torchon. Ah, mais jamais. Voilà. Donc, on y va. On les chauffe. Comme ça, les boucles, elles se feront mieux. Et ça fera moins abîmé. Donc, je vous rappelle que c'est un... C'est pas préparé du tout, c'est juste que là du coup
à sortir tout ça, j'ai dit, bon, je vais leur faire un petit tuto, comme ça fait un petit moment que je vous ai rien fait. Mais... Donc voilà, alors, on les met côte à côte. Moi, j'ai dit que je voulais le violet au milieu, donc je mets le violet au milieu, et là, on les met côte à côte. Voilà. Je vais prendre mon baguier. Alors, il faut que vous regardiez la taille que vous faites. Alors, je ne vous explique pas trop le mien, puisque il y a plusieurs sortes de baguets. Donc, en fait, c'est par rapport au baguet que vous avez. Sinon, si vous n'avez pas de baguet, vous pouvez le faire. Ou... Mais bon, toujours pareil, ça dépend de la taille que vous faites. Mais avec un gros marqueur, vous l'enroulez autour du marqueur. Les tubes aussi, des fois, de médicaments. Je vais pas citer de marque, mais bon, vous voyez, suivant l'épaisseur, enfin la taille. L'important, c'est que ce soit rond et que ça corresponde à votre taille, en fait. Voilà. Donc, moi, là, c'est du 17. Hein. Donc, je vais faire 17 et demi. Voilà. Parce que moi, ça avait des chiffres comme ça. Donc, on prend le milieu à peu près. On se cale là-dessus. Il faut bien que les fils restent à côté. Et là, on va entourer nos fils autour. On va les faire se croiser. Comme ceci. Vous voyez? Les fils sont bien droits. Et là, après, on serre bien. On maintient bien. Et là, on va tourner le fil autour. Vous voyez? Là, c'est pour bloquer l'anneau. Donc, on y va. On maintient surtout hein, que les fils ne se chevauchent pas. Et là, on tourne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et donc là, alors là, après, ben, il faut laisser libre cours à son imagination. Où on fait plein de volutes partout. Si on veut une grosse bague. Ou alors, on peut continuer à enrouler comme ça si on veut une bague plate. Voilà. Moi, j'ai envie de faire une grosse bague. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais continuer. Je suis désolée. Je suis pas très... J'ai mon petit pied, là, qui est à l'atelier. Du coup, avec le gros, j'ai du mal à vous montrer. Donc, je vais plaquer le fil, là. Tout en le maintenant avec le doigt. Et je vais tourner. Donc, comme je vous ai dit, je veux une grosse bague. Et là, je vais prendre ces fils et je vais venir faire une boucle par-dessus celle-là pour la bloquer, cette boucle. Et alors là, ben, c'est comme on a envie. On part dans un sens, dans l'autre, sur les côtés, ça dépend. Et donc là, moi, j'ai envie de passer par-dessus l'autre. Voilà. Et ainsi de suite, comme on a envie. Donc là, après, c'est vraiment du pif. Hein, c'est... Hop. Et donc là, je vais venir par-dessus. Voilà. Donc là, mon travail, il est bloqué. Il va pas bouger là. Là, il est bien maintenu. Voilà. Bon, alors après, si c'est pour vous, vérifiez bien la taille. Hein. Voilà. Et donc là, ben, on a la solution. Ou de le travailler comme ça, ou de le laisser sur le baguet. C'est comme on veut. Bon. Moi, j'ai décidé de le laisser sur le baguet. Non, je vais l'enlever parce que ça va me gêner. Alors, très important, il faut couper les bords droits. Parce que ça fait mal l'aluminium, ça griffe, on peut se blesser. Donc, moi, j'ai cette pince-là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Et en fait, ce bord-là, il coupe droit.
Voilà. C'est une pince spéciale. Je l'avais achetée sur filaluminium.com. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc, du coup, je vais couper les petits bouts. Parce que, je sais pas si vous voyez. Vous voyez, là, ça en pique. Parce que ces pinces-là, quand ça coupe, c'est pas droit. Ça coupe pas droit. Donc, du coup, si vous n'avez pas cette pince, il y en a, elle lime le bout. Pas se blesser, mais bon, donc je coupe le bout. Voilà, après vous pouvez rallonger les fils aussi à ce moment-là. Moi, je sais pas trop ce que je vais faire, donc je les couperai au moment si jamais. Et donc, ben là, on y va. Alors, bien sûr, j'ai pas la bonne pince avec une pince à bourron. On va venir faire des volutes. Alors après, ben, c'est comme on a envie, comme d'habitude. C'est ça qui est bien avec la luce, c'est que du coup, on fait vraiment ce qu'on a envie. Bon. Moi, j'ai mis le petit bout comme ça. Après, je vais venir faire ce côté et je vais venir faire les volutes par-dessus. Voilà. Parce que j'ai envie. Et là, on fait en sorte que le bout soit bien plat pour pas se blesser. Bon, là, cette pince, elle est pas super, hein, mais bon. Voilà. Je vais venir prendre le fil violet et pareil, faire ce que j'ai envie. Donc, ouais, je vais faire comme ça. Donc, j'ai envie de volute rentrée, mais hop. C'est vraiment au choix. Celui-là, je m'en occuperai après. Je sais pas trop où le placer. Je vais passer aux deux autres. Donc, celui-là, je vais le couper, le vert, il est trop long. Donc, je vais le couper. Parce que je vais venir passer par-dessus les autres. Je vous rappelle que je fais une grosse bague, hein, c'est pas une petite. Je vous montrerai si j'ai le temps après les autres. Et donc là, pareil, eh bien, je viens en tournant. En faisant une volute. J'aime pas. Elle est vieille, cette pince, j'y arrive pas. Après, c'est pas grave, on est entre nous, donc tout va bien. Voilà. Oui. Ben celle-là. Non, celui-là, je vais venir faire une volute de ce côté-là, devant. Parce que là, vous voyez, j'en ai pas mis. Donc, ben, ça me va pas. Alors, de l'autre côté. Je les mets toutes du même côté. Je prends. Et oui, je change toujours d'avis, je sais. Je prends le bout et je tourne. Alors, vous voyez qu'avec le doigt, quand même, j'aide l'alu et la pince à tourner. Bon, après, c'est pareil, hein, comme d'habitude. C'est comme on le sent sur le moment. Ce qui compte. C'est le résultat. Voilà. Et donc, celui-là, ben, je vais le couper. Et je vais venir. Non, ça va faire trop gros. Donc, je vais le tourner dans l'autre sens. Voilà. Et donc, là, ma bague est finie. Voilà. Et vous pouvez voir que le dessous. Petite précision. Si vous faites pas les grosses bagues avec des volutes dessus, du coup, si vous faites, si votre fil vous le calez dessous, il va falloir faire très très attention de bien le caler sous l'alu.
qui viennent pas vous griffer quand vous passerez la bague. D'accord? Mais j'essaierai de vous montrer tout à l'heure. Donc, voilà, une bague de fini. C'est rapide, hein, vous avez vu. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire un bracelet assorti. On va faire un bracelet. Donc, alors, un bracelet, il va falloir beaucoup plus de fil d'alu, par contre. Je vais vous dire combien il y en a. Après, je vais faire mes fils d'abord et après je vous dis. Parce que là, par contre, il en faut un certain nombre. Donc, en fait, je fais une grosse parure quand même. Et après, j'en ferai des plus petites. Parce qu'il faut que les gens puissent faire un peu des grosses, des petites, suivant leur goût, suivant leur capacité, puisque ce sera des gens qui n'auront jamais fait ça, donc même si c'est pas dur à faire, voilà. Je vais mesurer. C'est des grands fils. Donc là, on est à 90 cm à peu près. Voilà. Bon, après, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce que vous voulez au final. Donc, j'ai trois fils de 90 cm. Donc, je vous rappelle, moi, je fais avec du vert et du violet. Le violet, je le mets au milieu. Donc, deux verts et un violet de 90 cm. Et puis là, pareil, on chauffe bien les fils. Oups, pardon. C'est pas évident, là, du coup. Donc, on chauffe bien les fils. On les... mes droits. Bon, alors après, normalement, on les fait un par un. Là, c'est pour gagner du temps. Puis, comme je vous rappelle que c'est pour m'entraîner, je pense que je vais les mettre en vente après, ces bijoux, puisque moi, ça, c'est pas mes couleurs, mais bon, voilà. Donc, même principe, on met toujours les fils dans l'ordre que l'on veut de couleur. Vous voyez? Et donc là, on va venir prendre le milieu, à peu près. Voilà, hop. Là, je suis à peu près au milieu. Et donc là, je vais venir tourner. Là, je vous rappelle que je fais un gros bracelet. Donc. Après, on peut en faire des plus petits. Donc, voilà. On fait une boucle en maintenant bien à plat les fils et bien collés. Et puis là, ben, c'est parti. On tourne. Vous voyez? Je suis désolée parce que là, du coup, c'est un peu long. Là, on tourne. Et je vais venir passer par-dessus ce paquet de fils. Et après, en tournant, je vais finir en dessous. Hop. Comme ceci. Et on continue. Je vais venir prendre l'autre côté. Et je vais venir tourner. Alors, attendez. Je ne suis pas... bien calé. Hop. Là. Donc voilà. Et là, je passe dessous et on passe dessous. Parce qu'en fait, excusez-moi, mais c'est vrai que j'accroche la caméra, ben, les fils. Parce qu'en fait, ça bloque les boucles en même temps. Quand on passe dessus, dessous, ça bloque. Là,
Il faut, peu importe si on commence par le dessous ou le dessus, il faut qu'en fait, quand on est fini, la boucle, les fils soient calés. Vous voyez, là, je peux lâcher, c'est calé. À part le bout, là, qu'il ne faut pas trop bouger, mais voilà. Mes boucles sont bien calées. C'est le principe de l'alu, c'est qu'on peut faire des bijoux qui ne bougeront plus à condition que ce soit bien calé. Voilà. Et puis là, ben, on continue. Alors, d'un côté, de l'autre, comme on a envie en fait. Comme ça vient. Et là, on va faire une longueur à peu près du poignet. Bon, ça dépend des poignets. Moi, j'ai un peu de mal du coup, puisque j'ai un petit poignet. Et c'est vrai qu'on me dit toujours, ouais, mais tes bracelets sont trop petits. Voilà. Et là, je reviens. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre l'autre paquet. Et je vais venir passer par-dessus et par-dessous. Là, ça c'est très simple à faire. C'est pas compliqué. Alors, par contre, là, du coup, en voulant vous montrer, je suis mal partie. Voilà. Bon, là, je la range. Et donc là, je vais venir, on continue, on prend, voilà, et ainsi de suite. Donc là, je vais regarder vite fait par rapport à mon poignet. Bon, ça va être presque bon, je vais faire une boucle de plus et après je vais arrêter parce que sinon, je ne vais pas pouvoir le mettre, il sera encore trop grand. Et voilà. Donc voilà. Alors là, je regarde comme ça. Je l'ai mis où mon mètre? Ah oui. Donc là, j'ai une longueur de 17 cm. Ouais, donc il va être trop grand pour moi. Bon, enfin, bref. Voilà. Donc, là, il y a deux solutions. Ou on lui donne la forme maintenant, et après on finit le bracelet. Ou alors, on le finit, et après on lui donne la forme du bracelet. C'est comme on a envie. Moi, je vais quand même lui donner la forme du bracelet comme ça. Comme ça, je verrai que ça ne fasse pas trop grand. Alors, moi, je prends une bombe de déo. Vous pouvez prendre une bombe de mousse à raser. Vous pouvez prendre une bombe de colle, de spray, de ce que vous voulez. Tant que c'est rond et que c'est pas trop petit ni trop grand non plus. Et là, on va venir plaquer, bloquer le bout. Et on va venir lui donner la forme. Alors, faut maintenir en même temps, faut appuyer. Oh, pardon. Hop. Ah ouais, elle glisse celle-là. Donc, on appuie, mais tout en même temps, on plaque l'alu qui ne bouge pas en même temps. Sinon, vous allez vous retrouver les boucles toutes sorties. Vous voyez? J'appuie, mais je garde plaqué pour pas que ça bouge de trop. Voilà. On appuie bien. Là, je vais le mettre un peu en décalé. Toujours pareil, bien appuyé. Donc, je l'écarte un peu. Je vais voir par rapport à mon poignet. Bien sûr, il est trop grand, moi. Mais bon. Là. Hop. Et là, du coup, ben, on va partir. On va le fermer. Alors, il y a plusieurs techniques. C'est comme vous le sentez. Moi, vu que c'est un gros bracelet, du coup, je voudrais le continuer. Donc, je ne vais pas tout rétrécir là au bout. Voilà, je vais faire des volutes. Donc, alors, on est parti. Je vais le couper un peu quand même. Je vais faire plusieurs tailles de fil en fait.
Parce que moi, je vais faire des petites et des grandes. Voilà. On fait comme on veut. Et là, mais pareil, je vais venir faire mes volutes. Voilà. Et là, alors, ben, on a le choix où on continue de ce côté-là, ou on en fait une d'un côté, une de l'autre. C'est comme on a envie. Moi, j'aime bien faire quand ça part par-dessus, du même côté, et de l'autre côté, je ferai ben, dans l'autre sens, tout simplement. Après, c'est vraiment au choix. Il n'y a pas de règle, hein. C'est ça qui est bien. Voilà. Et donc là, je vais faire l'autre côté maintenant. Donc. Je suis pas de ma main. Hop. Donc toujours pareil, je prends. Et puis, je suis désolée, je parle un peu du nez des fois parce que je suis un peu enrhumée, mais. Voilà, vous voyez, là je suis partie du même côté, puis là du coup je pars dans l'autre sens. Mais bon, c'est vraiment comme on a envie. Il n'y a pas de règle. Avec cette pince, ah oui, je ne vous ai pas parlé de cette pince, c'est une pince avec, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, là c'est comme de la silicone dure. Je sais plus si c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Et en fait, c'est pour pas abîmer l'alu. Donc, du coup, vous voyez, là, je vois que je sens que ça s'accroche. Donc, du coup, je vais venir pincer là. L'alu, très fort. Et là, du coup, ça n'a pas abîmé l'alu. Et c'est ça s'accroche plus. C'est plat. Et là, d'ailleurs, j'ai vu que je l'avais pas assez fermé. Et ça évite de se blesser. Voilà. Après, on peut très bien s'en passer. Moi, c'est vrai que c'est parce que je l'avais acheté au début. Mais n'allez pas acheter ça si vous en faites pas souvent. Voilà. Et là, on arrange comme on a envie. Voilà comment ça finit. On pourrait s'amuser à le tresser au bout, on fait ce qu'on veut en fait. Hein. Et donc là, je regarde. Bon, moi, il est trop grand comme d'hab. Hein. Et là, je vais venir lui redonner une dernière fois la forme. Alors, on reste bien appuyé. Et on y va. Après, on peut le faire partir en décalage. On fait comme on veut. Donc, je vais l'ouvrir un peu. Hop. Et puis là. Alors, comme pour mettre un bracelet en alu, faut pas faire n'importe quoi. Il est même un peu grand. Mais. Donc, on a fait la bague. Il faut le remettre comme il faut à chaque fois après parce que on a fait le bracelet, on a fait la bague et ben on va faire un pendentif ou un collier, je sais pas. On va voir ça.